Bonjour à tous. J'accueille aujourd'hui Anna Rouimi. Anna Rouimi est directrice des études juives à l'école Rachi, qui est une école qui fait partie du groupe scolaire de l'Alliance. Et j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un rite très répandu dans le monde juif, qui est le rite de l'allumage des bougies ou des veilleuses du Shabbat, ce jour de repos hebdomadaire pour le peuple juif. Et donc nous allons parler de la signification, l'origine de ce rite assez connu. Bonjour, et effectivement, je rebondis sur le fait que ce rite est très populaire. Je lisais récemment un sondage paru dans la presse israélienne qui faisait part de 77% d'Israéliens qui se disent attachés à cet usage et 57% de foyers qui disent allumer des bougies de Shabbat dans leur foyer de manière hebdomadaire. Je trouve ça particulièrement intéressant dans une société aussi sécularisée que la société israélienne, que finalement ce rituel perdure plus de 2000 ans après la perte du temple. Et par ailleurs, les bougeoirs tiennent une place de choix dans l'art juif. Tout à fait, et il me vient à l'esprit quand je parle des bougies de Shabbat, en particulier une toile de Marc Chagall qui a été peinte en 1909, qui est intitulée très sobrement Shabbat, et dans laquelle les bougies de Shabbat prennent une place centrale. Ce sont deux grands bougeoirs qui éclairent une pièce avec des coloris très chauds. Et tout autour sont installés des personnages qui ont l'air de vivre entre une torpeur et un repos. Quelle est l'origine de cet usage? C'est une loi qui n'est pas mentionnée dans la Torah. Les bougies de Shabbat font partie des sept commandements de ce qu'on appelle mitzvot des Rabbanan, qui ont été institués par les sages, mais qui néanmoins ont un point d'appui dans la loi écrite. Le Midrash mentionne les bougies de notre matriarche Sarah, la première des matriarches, qui restaient allumées toute la semaine et qui se seraient éteintes au moment de sa disparition. Très concrètement, c'est la Mishnah qui parle pour la première fois donc des bougies de Shabbat, un Donc la traité, Mishnah, la loi la orale. loi orale, tout à fait, qui évoque en fait les précisions pour allumer ces flammes de Shabbat, sans pour autant mentionner d'obligation associée à ces bougies. Et on donne la raison première à cet allumage. Alors c'est dans la Gemara, dans le Talmud, dans Maseret, dans le traité Shabbat, qu'on parle pour la première fois d'une obligation, d'une chova. Les mots sont de la bouche de notre maître Rava, qui discute avec son associé d'études, donc Abaye, et Donc qui ce pour la sont de très grands première maîtres du fois, Talmud qui vivaient en tout à fait, Babylonie. absolument, deux grands maîtres qui ont été à l'origine vraiment de la constitution du Talmud, et qui pour la première fois évoquent une obligation associée aux bougies du Shabbat, effectivement, qui en donne deux raisons, l'une un peu fondue dans l'autre, une raison de Shalom Bayit, qu'on traduit par sérénité du foyer, paix du foyer, et également une raison de Oneg Shabbat, qu'on traduit par plaisir, délice du Shabbat. Rava et Abaye précisent qu'en fait, les bougies du Shabbat permettent d'éclairer la maison. N'oublions pas qu'on est à une époque où il n'y a pas d'électricité à la maison, mais il n'en demeure pas moins qu'on a aujourd'hui ces ingrédients aussi, Ça même si. donne de la joie dans la maison. Tout à D'ailleurs, le fait. Talmud dit de manière très claire que si on ne voit rien, on se heurte au meuble, donc on peut s'énerver, se mettre en colère pendant Shabbat. Donc c'est ça le Shalom Bayit, la paix de la maison dont vous parliez. Et puis c'est vrai qu'on a une époque où il n'y a pas d'électricité. Tout à Donc fait. s'il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de Alors lumière. aujourd'hui, je dirais plutôt de manière un petit peu d'humour, évidemment, c'est notre dîner aux chandelles hebdomadaires. Voilà, et c'est un petit peu cette sérénité quand les bougies sont allumées qu'on retrouve dans nos maisons. Alors vous parlez de dîner aux chandelles et c'est pour ça que volontairement on a mis des challot, c'est-à-dire des pains du Shabbat tressés, parce que idéalement on doit allumer les veilleuses face à l'endroit où l'on On prend mange. son repas, tout à fait. Alors qui est-ce qui a le devoir, parce que dans une famille il y a l'épouse, les enfants, à qui incombe le devoir d'allumer les bougies du Shabbat? Alors, on fait souvent l'erreur, en fait, l'obligation incombe au foyer. Le foyer doit se doter de lumière de Shabbat allumée avant Shabbat. Et le foyer, bah, finalement, c'est l'homme ou la femme. Un foyer qui est composé d'un homme célibataire, eh bien, c'est l'homme qui allume les bougies. Alors, traditionnellement, on a effectivement dévolu ce rôle aux femmes parce qu'elles tenaient leur foyer, elles étaient présentes dans leur foyer. Mais au fond, on se rend bien compte que la loi est incombe au foyer, on peut tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'un homme qui serait célibataire, ou si l'épouse ne peut pas rentrer assez tôt, par exemple, le vendredi, le Shabbat entre très tôt, Le mari peut c'est tout le à mari fait qui allumer, allumera en ses lieu et absolument. place. Donc c'est important Ou une de le épouse qui est rappeler. absente. Quand est-ce qu'on doit allumer les veilleuses du Shabbat? Donc on a dit que c'était chaque vendredi, mais est-ce qu'il y a un moment précis où on doit les allumer?
Alors, on allume les bougies de Shabbat au moment de l'entrée du Shabbat, à peu près. En fait, c'est 18 minutes exactement avant l'entrée du Shabbat. C'est-à-dire avant le coucher du soleil. Voilà, tout à fait. On pose le coucher du soleil comme étant la limite d'entrée du Shabbat. Et on prend sur ce temps-là 18 minutes en plus. Les sages expliquent que c'est Tosefet Shabbat, qu'on a un désir particulier à accueillir le Shabbat et qu'on le manifeste dans ces 18 minutes en plus. En fait, on prend de on la rajoute, semaine, c'est si encore exactement. Jour, et on transforme ces minutes de la semaine en Shabbat. En petit temps supplémentaire ouais, du ça, Shabbat. Et là, après, on ne peut plus utiliser de l'électricité, etc. C'est la bénédiction qu'on récite qui marque l'entrée du Shabbat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans beaucoup de traditions, on se couvre les yeux lorsqu'on a allumé les bougies. Parce que normalement, en fait, la bénédiction se récite avant l'accomplissement du commandement. Ce qui fait la différence entre un geste anodin et un geste, une mitzvah, un geste religieux, c'est la bénédiction qu'on récite avant. Parce que manger une pomme peut être un geste anodin. À partir du moment où on a récité une bénédiction avant, ça prend tout son sens. Ça peut être des bougies, ça peut être aussi des veilleuses. Donc, en fait, c'est des mèches qui flottent dans de l'huile d'olive mélangée à de l'eau. La question qui se pose, c'est combien de bougies ou de veilleuses doit-on allumer? Une, deux, devant nous, il y en a deux. Mais le minimum, d'après la loi juive, c'est une seule. Alors, c'est une à l'origine, et Ouais. puis la loi a un petit peu évolué sur cette question, et on a souvent associé à l'entrée du Shabbat deux veilleuses, en Pourquoi lien deux? avec lorsque le commandement de Shabbat a été donné au peuple juif, il a été donné sous une forme double. En fait, Zachor et Chamor, que je pourrais traduire par à la fois un côté mémoriel, on se remémore. C'est Zachor, Chaque souviens-toi du semaine, Shabbat. absolument, on se En fait, c'est les deux remémore la. versions du Décalogue. Tout à fait. Dans le Pentateuque, il y a dans l'Exode et dans le Et dans le Deutéronome, Deutéronome, tout à fait, deux il y a les versions deux et donc il y a termes. deux termes, deux Et on les verbes. associe en fait dans le même commandement. Zachor serait plus l'aspect donc mémoriel. On se souvient chaque semaine, on rejoue en fait la création du monde. Et Chamor, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre, en place, pour préserver ce jour, pour en faire vraiment un espace protégé. Donc c'est tous les interdits du Shabbat. Et en fait, ces deux flammes, ces deux veilleuses, symboliseraient vraiment les deux forces qui accompagnent le Shabbat, à la fois la mémoire dans laquelle on rentre chaque semaine et en même temps tout ce qui accompagne cette préservation de ce jour-là, sans quoi bah, ce serait un jour comme un autre. Il y a toutes sortes d'habitudes, hein, qui allument même Tout à fait. sept bougies pour les 7 jours de la semaine. On rencontre un petit peu de tout, Ouais. des personnes qui allument bah, autant de membres de Ouais. la famille que compose le foyer. Moi, Ceci. j'aime beaucoup cette idée d'allumer une bougie par membre de la famille. J'avais lu une fois un commentaire qui disait que c'est une manière de montrer que chaque membre de la famille, chaque enfant, Compte. apporte sa lumière à lui, donc sa personnalité, sa richesse. Et donc on allume en fait pour chaque individu. Absolument. Yedid nefesh, yedid nefesh, shavu rachamon. Shoich abdecho el ritzovo inecho. Yedid nefesh, yedid nefesh, shavu rachamon. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש. ידיד נפש, ידיד נפש, אבו רחמון משויך עבדכו אל רצוו עינכו ידיד נפש, ידיד נפש, רחמון, שויך עבדך אל רצוינך. Oh,
Vous avez très bien expliqué la raison première de ces lumières du Shabbat. Maintenant, il existe d'autres raisons. Pouvez-vous nous en donner quelques-unes ? Il y a beaucoup de raisons qui sont associées à l'allumage des bougies. Le Rachaïm, donc un des commentateurs du texte biblique. Rabbi Chaim Ben Attar, c'est un maître du Maroc. Ouais. Voilà. Lui, en fait, il explique que Dieu a commencé par allumer la lumière dans le monde. C'est le premier geste créateur. C'est celui par lequel on fait rentrer Shabbat aussi chez nous. On allume une lumière chez nous. C'est une raison, je dirais, tout à fait rationnelle. On imite Dieu, en fait, c'est-à-dire qu'on tout crée à la fait, lumière aussi. Bien sûr. Et puis après, je dirais qu'il y a des raisons beaucoup plus symboliques. N'oublions pas que dans la tradition universelle, le feu, c'est le symbole de la dévastation, de la destruction. Et paradoxalement, c'est ce feu-là qu'on emmène chez nous le Shabbat. Mais ce n'est pas tout à fait le même feu, en fait. C'est un feu domestiqué. C'est un feu qui est bienvenu chez nous. Les sages disent, en fait, que chaque fois qu'un homme fait des fautes, il éteint une lumière dans le monde. La Kabbale dit que les fautes sont des lumières divines, des étincelles divines qu'on éteint. Et le Shabbat est là pour les rallumer. Le Talmud dit d'ailleurs en parlant du premier homme, lorsqu'il a commis le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a goûté au fruit interdit. Il a obscurci le monde. Tout à fait. Et donc effectivement, on allume des lumières pour dire qu'on redonne de la lumière dans le monde. Mais je crois aussi qu'il y a dans les lumières du Shabbat quelque chose qui relève aussi de la lumière propre au Shabbat. Rana, quand vous allumez les lumières du Shabbat, vous sentez vraiment qu'on rentre dans un jour différent oui, de celui alors, de la semaine. Moi, j'aime l'idée qu'on reçoit une âme supplémentaire du Shabbat qui nous rendrait réceptif à d'autres aspects de l'existence, à d'autres aspects de nous-mêmes également. Et c'est vrai que cette lumière qui arrive à la maison le vendredi soir, c'est une lumière en fait qui véritablement ouvre à quelque chose de nouveau, une perspective nouvelle qu'on ne pourrait pas avoir en semaine. C'est aussi un moment de recueillement, c'est un moment où on rentre en soi-même justement pour essayer de reprendre ces ressources qui sont peut-être un petit peu mises en sommeil la semaine. Merci Hana Orimi pour vos lumières sans jeu de mots. Bon dimanche et bonne semaine à vous toutes et à vous tous.